Et bonsoir les doudous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau petit live, je suis en compagnie de Geoffrey et Prodige qui arrivent bientôt. Et on est reparti pour voir nos petits dinosaures, voilà. Il y a des choses qui ont changé hein, depuis on a déménagé pour ceux qui ont suivi un petit peu les aventures sur Twitch. Là on vient de se faire un nouveau campement et on va essayer de recapturer un T-Rex puisqu'on avait capturé une première fois un T-Rex qui malheureusement c'était endormi et ensuite était mort, donc là ça va être un petit peu le but, sauf qu'on est dans une forêt totalement aride et ça risque d'être compliqué. Et là on se fait déjà attaquer, je viens d'arriver dans le jeu, déjà en train de se faire attaquer par une bestiole. Oh, tu vas te détendre? Oui. Oh, la bête vénère. Purée, elle a cassé ma pioche, quoi. Salaud. Purée. je peux même pas la réparer. J'ai pas assez de branchage. Je vais essayer de lui tirer dessus à la flèche. Attends, alors, flèche. Est-ce que j'ai des flèches normales? J'ai que des flèches narco. T'as pas des flèches normales? Bah, dans mon stuff dehors, quoi. On n'a pas un coffre, là? Si, il y a des flèches, là. Nickel. J'ai pas envie de péter les flèches narco pour rien. Ouah. Il est où? Viens là, toi. Monte ta petite tête, là. Il te suit, hein. Il veut toi, hein. C'est un truc de ouf, hein. Je sais pas s'il est pas parti. Oh purée, oh purée, oh purée. Attends, attends. Non, tu me lâches. Oh, je suis buggée dans son cul, je me fais bouffer. Au secours. J'étais coincée dans ses fesses, quoi. Mais non. Ah, mais il y a même un autre truc qui nous attaque. Une autruche ou je sais pas quoi. Mais oui, mais c'est l'autruche, elle m'a bouffé la tête. Elle m'a mangé, quoi. Alors, les chatons sont en liberté totale, là, ils se baladent. Et bienvenue, Zairo. Merci beaucoup. Zairo que j'ai croisé à la Japan Expo. Samedi, merci beaucoup pour le subscribe. Bon, en tout cas, j'aurais pas survécu très très longtemps là. Je me suis fait croquer direct. Du coup, le lit, il est dispo tous les combien? 3-4 minutes, je crois. Parce que moi, j'ai une croix en fait dessus, donc est-ce qu'il a pas été détruit? Il y en a... Ah, je le vois plus, ah oui, je le vois plus. Il a été détruit, hein. Va falloir que tu me fasses un lit, Geoffrey. J'étais tué par un purlovia. Ah mais le pire c'est que je suis pas bien là, j'ai plus de vie, j'ai... Attends, je vais voir si j'arrive à crafter. Moi le truc c'est que si je reviens... Je peux revenir à la base, mais il faut que j'ai un volant pour pouvoir revenir, sinon je vais être bloqué. Il faut quoi, de la fibre? J'espère qu'il y en a. Oh là là, il manque de la fibre. Bah ouais, prends sur mon corps, sinon tu vas peut-être trouver des petites choses. Ouais, je peux pas sortir les deux. Bon, au pire, tu sais quoi, je vais réatterrir à l'autre bout et je vais voir si j'ai pas moyen de venir. Il y a trois lits ici, je sais même pas lequel est va où. Allez, j'apparais sur un lit. Je crois que je vais mourir aussi. Prodige! Il va nous falloir un lit! Je sais même pas où il est, sinon j'aurais regardé dans son stuff. Pour l'instant, on est deux, ouais. Ok, il y a qui comme dino ici? Au campement de base. Au pire, je prends le diplodocus, ça va être vite vu. Ah, y'a même pas de quoi faire à manger, rien. Non, mais si, c'est pareil, y'a rien quoi. Est-ce qu'il reste quelque chose par là? Oh là là, je suis mort, j'ai pas eu le temps de poser mon stuff dans le corps. C'est compliqué. Bonjour, y'a des gens. Est-ce qu'il nous reste des choses dans l'armoire peut-être? Vite fait, hein. Vite fait des pots, histoire de se faire un stuff, quoi. Il va me falloir des fibres. Oui, salut, salut. On a besoin de toi. On est tous morts. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y avait encore le dino ultra vénère. Il nous a tous tués. Et il avait un copain l'autruche qui nous a encore plus tués. Il était où? Ah bah devant la base, il l'attendait.
Mais il était de l'autre côté des barrières. Ah, il était vénère. Ouais, mais ça passe à travers. Donc si je me cause, je barre. Non, bah non. Si t'es dedans. En si fait, t'es dedans, c'est bon. Pas être proche des barrières. Ah. Bon, on va voir ça. Par contre, si tu veux faire un lit, bah y'a mon stuff dedans. Enfin, une partie de mon stuff. Bah, je vais voir ça. Ouais, parce que là, ça pue là. Il manquait juste de la fibre, si t'en assures pas, c'est bon. Ouais. On est dans le chacha, minou. On n'avait pas fait de lit à côté? Bah, si, mais. Bah, le lit a pété, ouais. Ah. Faut peut-être le réparer, ou je sais pas, parce que moi, je peux pas revenir. Mais non, range pas. Voilà, voilà. Alors. Un chapeau, une paire de bottes, des gants, un pantalon et un t-shirt. Ok, je suis au milieu du tronc. Voilà, tout le reste je mets là. Bon, va nous falloir concrètement un peu à manger. Alors, est-ce que je peux faire un lit? Oui, je peux faire un lit. Est-ce qu'on a des fondations? Non, on en a pas. Alors moi, je suis en train de regarder, mais j'ai pas de volant, parce que sinon, je me dis, au pire, je refaisais la route. Non, mais je vais casser un mur. Est-ce que vous pensez que si je prends petit pied et que je passe dans la flotte, ça passe? Il a pied ou pas? Oh putain, je l'ai vu, il essaie de m'attaquer. Oh, vas-y, je teste. Faut juste qu'il n'y ait pas de baleine. Petit pied! Allez, mon pépère! Voilà, tranquillement la première île, mais la deuxième, ça va être chaud. Ouais. C'est quoi? Je vais prendre. J'arrive pas à le. Et je vais voler direct. J'arrive pas à passer en fait, c'est comme s'il était bloqué. Et petit brontosaure là, tu fais des choses bizarres quoi. J'ai reculé tranquillement. Voilà. Ok, j'ai un brontosaure. Ok, bah prépare-toi, je vais mettre un lit. Bah là, Geoffrey, de toute façon, il est encore mort, donc il va pouvoir prendre le lit. Moi, je suis reparti au camp en attendant. Au premier camp. J'ai même pas eu le temps de montrer le camp aux gens. Geoffrey se faisait attaquer, mais... je suis sorti, je me suis retrouvé bloqué dans ses fesses, c'était fini. C'est lui qui est mort près du. Moi je suis mort juste devant. Mort alors qu'il y a rien, il y a pas de dino. Ah, je suis mort parce qu'en fait j'avais plus de bouffe, plus de vie, j'étais blessé et j'ai voulu aller poser mon stuff dans la dernière chance. Ok, je te pose un lit. Et un lit, un. C'est bon, je suis là. C'est par où qu'il faut que j'aille? Tu essaies de nous rejoindre en dino là? Ah mais je vais me noyer. Attends, fais le tour. Ah mais l'autre il sort la tête de l'eau mais moi je vais me noyer quoi. Mais même si t'es pas mort, tu peux utiliser les lits hein. Ouais. Attends, j'arrive. Là je suis un peu sous la flotte là, le dino il en a rien à faire de moi. Alors les chatons, le petit blanc c'est une femelle, du coup la petite blanche. Et après le noir et le tigré ce sont des garçons. Ouais, je vais aller prendre le lit. Bah du coup on va t'en refaire un vu que Geoffrey l'a pris. Okay, allez mon petit dinosaure, vas-y. Voilà. Attaqué par un dinosaure là. Il est encore là, produit. Ouais, mais je l'ai endormi. T'as de la viande ou pas? On le tame. Sur le but, sur le tame. Merci! Ça, c'est lequel ça? Ah, mais c'est le. Pour l'instant, du coup. Ah, c'est lui que j'entends. Merci pour le tips! Coucou! Ouais, il reste le gros là de hier. C'est qui, coucou?
Tu me dis quand t'as fait un lit du coup? Bah ouais, là je suis en train de buter la bestiole pour faire de la viande. Que moi je vois le lit mais il me demande pas plus de trucs. Ah si, voyage rapide. Ok, voilà. En effet il y a un lit mais il est grisé. C'est ça. Alors attends, juste je bouffe un peu de viande crue. Ouais, vas-y, vas-y. Moi il faut que j'aille manger des baies parce que sinon ça va être pareil. Je vais recueillir quelques-unes pour la route. Ok, tu peux faire un lit ou pas, Geoffrey? Avec une fondation? Je vais voir ce que j'ai. Ouais, bah T-Rex albinos, je sais pas, mais T-Rex déjà ce serait pas mal. Doucement. On a dit que ce soir c'était la soirée du T-Rex alors. Attaque T-Rex. Il manque quoi? Non, les doudous, j'ai déjà un chat et un chien et c'est beaucoup de travail. Je vais pas prendre. Je peux pas adopter malheureusement tous les animaux de la terre, sinon évidemment le petit tigré. Si j'avais pas eu de chat, il serait resté à la maison, mais là avec Calici, c'est compliqué. Non, Catali, il est reparti travailler ce soir, donc il est reparti à Bordeaux avec son petit Moon. Ton petit chaton. Va détruire l'autre lit, sinon je ferai. Tu le détruis, tu le reconstruis. Ça te rend les ressources quand tu détruis? Ouais, mais pas tout, mais une bonne partie. Alors, ça c'est bon. Hop, des petites baies. Voilà. Parfait. On mange tout ça. Je sais pas pourquoi je me fais chier à faire ça. Puisque de toute façon, si je vais voir le gros dinosaure là-bas et que je regarde dans son bidon. Ah, mais oui, j'ai pris de la viande en plus. Ah, j'ai de la viande ici. On va se calmer la tortue sauvage. Hein. Voilà, de la peau, de la viande. Et toi, tu vas me donner des baies, toi. Viens là. Viens là, mon gros. Petit pied. Petit pied. Non, je veux pas te grimper dessus, petit pied. Et puis alors après, pour descendre, c'est vachement pratique, quoi. Laisse-moi descendre, laisse-moi descendre. Tout doux, tout doux, tout doux. Ah! Ok, c'est bon. Geoffrey? Ouais. Alors, regarde sur Discord, hop, dans la conf. Je vais prendre ça. On va lui monter ce qu'il peut transporter, parce que c'est vachement pratique. Il est niveau 117, il est content. Et nous, on va manger des baies. Voilà. Et maintenant, comme on a plein de fibres, on va faire caca toutes les 30 secondes. Ça va être génial. Ça va être super bien, l'amour. Vous me dites quand c'est bon pour le lit? Ouais. Je le pose. Je vais aller faire cuire. Ok, mais... c'est ce que j'ai fait dans le chat. Ouais, je connais pas. Alors. C'est bon, tu peux respawn. J'arrive. Bon, faut absolument le tuer, Zino, là. Bah, il reste qu'un, hein. J'en ai buté un déjà. Il a buté l'espèce d'autruche et il reste l'autre là qui est parti. Bah oui, mais l'autre ça fait deux jours qu'on est dessus. Mais là, faut le prendre à coup de flèche tranquillisante, hein. Comme ça on l'adore, on le bute. Je vais aller voir si je le vois. Au moins l'apercevoir, ouais, tu prends un volant ou quoi. Ouais, c'est justement ce que je fais, je vois, oui. Duchesse est parti en repérage. Comme par hasard, je peux le trouver. Coucou mon corps! Oula, oula, oula! Tu vois, mais alors lui, quand il bouge, c'est tremblement de terre quoi! C'est bon! Lui, ça doit faire de la viande! Ouais! Oula, 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 oula! Tout doux, tout doux, tout doux! Ah! Je veux rentrer! Alors! Pourquoi je lui prouve pas? C'est de là! C'est qui t'a buté tout à l'heure? Non, non, c'est. Non, c'est l'espèce de putois là! Ouais, c'est ça. Et je le trouvais, c'est ça. Voilà. Je peux pas tout réparer, je peux pas réparer ma pioche. Mon petit pantalon rouge qui va bien. Voilà.
J'ai bien les cheveux dans les yeux, je vois plus rien. Ma paire de gants. On est bon. Faudrait qu'on mette des torches ici, hein. On voit que dalle. Ah, faut surtout que je t'explique comment faire. Pour faire quoi? Ah oui, aussi, oui. Pour arranger tes gammas. Ouais. Ouais, parce que là, c'est tristesse et lamentation. Alors, accéder à l'inventaire. Allez, je ferai le premier qui trouve le puma. Le, je sais pas quoi, le putois, là. La mouflette. Non, mais c'est une sorte de grosse mouflette. On a plus de bois, les gens, c'est normal. Bah, faut couper des arbres. Et ça a repoussé, je vois. On va couper des arbres. Hein. Ouais. Je guette s'il y a le putois, là. J'ai fait le tour là, je le vois pas, le tour du. Bah, moi non plus, donc c'est. Mais on va se faire surprendre au moment où on sera en train de ramasser. Ah, bah ouais, des il va arriver. Hein. C'est ça. Oula ah, putain de sa mère. Ah. C'est toi qui l'as trouvé. Ah, je me suis enfermé dehors. Non. Salope, prie. Lâche-moi. Oh là. Il veut me manger, T'es où là? Il est dans mes fesses. Je fais le tour. Mais où? Mais il était à l'autre entrée. Dans le mauvais sens. Ah, il est là. Il est dans le coffre. Fléchette tranquillisante. Putain, je vais essayer de le. Je vais monter sur le rocher. Please quoi. T'as réussi à rentrer des fois? Oui, c'est bon. J'ai fait le tour en courant en passant par les rochers. Ouais. Quoi. Attends, je vais me mettre là sur ce rocher. Chapeau de safari. Attends, je vais essayer d'être là. Oh là. Merci l'animal quoi. Je voulais aller chercher du bois au calme. Bah lui, faut le capturer hein. Oh, mon arbalète elle marche plus. Je vais me chercher un peu de bois. Bah lui c'est clair que... Vas-y, je l'ai pas là. Ah bah oui, dent tranchante, c'est obligé si on a un T-Rex qui s'appellera dent tranchante. Ok, dans le vent il peut plus bouger. Et mon arbalète elle a cassé. J'arrive. Faut que je me fasse un arc. Allez vas-y Geoffrey, montre-lui. Au pire, tu le tues, c'est pas grave. Ah non, mais le machin il était en mode juste ouais, à côté en train de faire dodo. Je suis là, j'ai les flèches. Il est en sang là, il est en sang. Je vois pas trop d'où je suis, mais. Vas-y, tu le tiens, tu le touches. De toute façon, on va jusqu'au bout, fais gaffe des voix. T'approches pas. Sauf si t'as des flèches, voilà. Allez, vas-y. Encore une ou deux flèches. Oh là là. Allez. On va mourir là. Il est costaud, hein, n'empêche ce truc. Hein. Vaut mieux attraper un T-Rex. Quelqu'un a un petit truc à manger là? Ouais. Ah, il va pas se barrer. Hein. Il va revenir, hein, donc fais gaffe. Vas-y. Bon, on va finir par l'avoir, mais là. C'est un peu la fin du monde. Ah, merci, c'est cool. Faudra en faire. Ouais. Ah, bon. C'est bon, il dort. Il dort? Ok, j'arrive. Attends, je vais vérifier. Ouais, c'est bon, il est inconscient. Ok, bah, j'arrive. Faut aller chercher DB et... Faut le capturer parce que vu les dégâts qu'il met Ouais lui il va faire mal. Pourra défendre. Level 55, putain il est beau. Ouais il est beau mais c'est ça fait 3 jours qu'il... Bah je crois qu'il mange pas DB hein. Je sais pas, je crois qu'il est carnivore hein. On va voir. Ah bah il a une tête de carnivore hein. Ah ouais. Je vais décaler ma cam si ça vous gêne. Je vais la mettre ici en bas ou je vais la mettre là en haut, je sais pas trop. Je vais mettre là. T'auras pas trop gêné là. Si on a un requin, on l'appelle dent de la mer. Dent tranchant, dent de la mer. Bah sinon, de toute façon, on va aller chasser un peu. Hein. On tue un petit dans le coin et puis on le donne. Faut s'équiper quoi. Parce que là, les arbalètes, quand elles pètent, on peut pas les réparer. Ouais. Ah, faut des lingots quoi. Fibre, encore. Alors, il mange ça ou pas? Bah, faut regarder. Il a combien de viande? 20. Ouais, donc pour l'instant il a pas faim. Je sais pas ce que ça mange. Moi je suis en train de brûler. Pour moi c'est carnivore, hein, sinon il nous attaquerait pas. Bah pour moi, ouais, hein, pour moi c'est carnivore aussi. Hein. Vous êtes déshydraté, oui, bah ça va, on est près de l'eau. Respire. Je vais faire aussi un peu quelques narcotiques. Plouf. Voilà. Ouais, tu crois qu'il arrive. Bah il va pas tarder à manger.
Non, mais ça a l'air d'être vraiment une sale bête sauvage, là. Hein. Truc, il a bouffé 40 flèches, quoi. Ouais, il va manger, là. Il s'appelle comment, Purlovia? Bah, s'il y a un bout de viande, là, c'est pour moi, il mange la viande. Hein, ouais. Il mange la viande, il mange la viande. Mais c'est moi qui l'ai mis. Ouais, mais quand tu regardes sur lui, en fait, t'as un morceau de viande. Mais tu l'as sur tout le monde, c'est la fin. Ah, d'accord. Et ça va, hein. Mais non, mais on est tous débutants. Flûte. Des flèches. Du coup, je prends des flèches normales et puis bah, je vais les chasser. Ouais, et faites-vous deux arcs si vous pouvez. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un Je crois qu'il lui faut 78 viandes. Oh, c'est pas grave, c'est pas énorme. On va aller chasser. À la chasse. Mais là, c'est bizarre, je trouve qu'on a peu de dinos dans les parages, quoi. Bah, s'il y avait le putoir, c'est normal. Ouais, il a mangé tout. Et ils ont s'attaqué. En fait, si tu veux, le seul qui l'a pas attaqué, en fait, ils ont une taille, les dinos. Et ils attaquent pas les dinos qui ont une taille de plus de 75% de la leur, quelque chose comme ça. D'accord. Peu importe qu'ils soient carnivores ou pas. Ouais, parce que là, il a rasé la zone, quoi. Voilà. Oh! Salut toi! T'es gentil ou t'es. Oh, ça semble. Oui, ouais, il est gentil. Le gros là. Ouais, ouais. On va avoir de la viande. Ah, y'en a un qui vient vers toi, Geoff. Ouais, le petit là. Enfin, petit. Tout est relatif, mais. Enfin, l'autruche, je sais pas quoi. Oh! Ouais, mais niveau 80, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. T'es où? Bah, j'attaque une bestiole avec un long coup là, mais. En fait, c'est parfait là ce que j'ai fait. Regarde, il peut pas traverser. Du coup, je peux lui tirer dans la tête. Et attends, je vais essayer de l'aider. Je sais pas combien il lui faut de flèches, mais. On est plus beaucoup là. Et voilà! Niveau 80, bim! C'est du costaud, c'est du costaud, il va me croquer! M'a croqué. C'est quoi que t'as attaqué? C'est. Je sais pas comment il s'appelle. Mais on a jamais. Enfin, j'en ai jamais vu des comme ça avant. Bah, pour le coup, lui, il ressemble à un diplodocus, non? Et s'il est petit, mais comme le bronto, ouais. Ouais, bah c'est ça. Avec des pics sur le dos? Oui. Ouais, c'est ouais. Ça. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Ah, d'accord. Ouais, et puis moi en plus j'ai pété mon arc là donc. J'arrive à chercher tes narcos. Ah putain. Allez, laisse-toi faire. Un coup j'ai faim, un coup je suis déshydraté. Ouais. Attends. Je vais te taper dedans là. Alors il faut que je répare ça. Parce que sans mon arc c'est compliqué. Voilà. Réparation de l'arc en cours. Calme-toi, calme-toi, zen. On va pas finir avec toi, Toudou. Toudou le gros long coup, là. Faut pas lui en mettre une dans le cœur et c'est fini. Putain, dans la tête. Qui va m'attaquer, quoi. Faut attaquer la tête, hein. Bah, ouais, je veux bien, mais... Tranquille-toi. Le truc, c'est qu'il a un long coup et qu'il bouge sa tête dans tous les sens toutes les 30 secondes. Oh, oh. Laisse-moi aller chercher ma viande. Non, tu veux pas. Je crois que j'ai plus de flèches. C'est le chacha minou. Mais oh. Ah, faut refaire un peu des flèches et tout. Ah ouais, là j'ai plus que des flèches narco donc. Après des flèches narco, s'il vous en faut, il y en a encore dans le coffre. Ouais, ouais, bah on viendra en chercher après, mais. Bien, vous les endormez, hein, et vous les tuez. Oui, bah oui, mais bon. Ça coûte cher les flèches narco, alors si on peut éviter, tu vois, de... C'est vrai. Ok, il me faut des cailloux. Arrête avec ta tête, là. Oh, je tape, mais je sais même pas où, quoi. Ah, c'est bloqué. Non, j'ai plus de... Ouais, j'ai plus... Bah, alors, écoute, on va y aller à la hache, hein. À la bonne franquette. Moi, je suis avec ma lance, là. Viens chercher l'aigle, hein. Je vais y aller à la hanse aussi, à la... Ouais. Je vais à la lance aussi, je suis dans la pelouse là, à la hanse. Ah bah pas manqué grand chose. T'es loin?
Bah là, on y est presque, quoi. C'est vers où il y avait l'autre lit, en fait. Pas loin. Ok. C'est trop violent, quoi. Ah bah, nice. Eh ben. Ça y est. Gros morceau, hein. Mais bon, au moins, on va avoir de la viande pour un moment, là. Il est en train de... Elle est en train de tirer dans la pelouse avec son... C'était compliqué. Bon. Et bah voilà. Et bah voilà. Ah oui, Emma, on continuera, t'inquiète. Assassinat. Écoute, à un moment, il faut manger, hein. C'est sûr, dans la vraie vie, c'est plus simple. Il suffit d'aller au supermarché et... Il y a des gens qui s'en sont déjà chargés pour nous. Là, il n'y a pas de supermarché. C'est... Ça ou... C'est bio. Ou on mourut. C'est bio, voilà. Au moins, je sais ce que j'ai mangé. Je sais ce que mon dino a mangé avant. Je sais où il vit. Et je sais comment il est mort. Oh, tu m'as fait peur. Exactement. Mais tu l'arrives avec son... Avec son volant, tu sais. Bon, je crois qu'on est trop lourd. Légèrement. Voilà. Salut. Attends, je vais lui mettre ça. Il va kiffer. Je suis en train de faire des narcos aussi. Voilà, je vais aller faire cuire de la viande pour nous parce qu'on en a aussi besoin. C'est pas pratique cette mini-porte quand t'es pourchassé et qu'il faut que t'accroupis avant. En fait, si. Bah si, parce que tu t'accroupis, le dino, il vient ici et il peut pas passer. Donc après, bah, tu peux lui tirer des flèches ou des coups de lance, il peut pas t'attaquer. Ouais. Tu vois la technique ? Ouais. Je vais refaire des flèches. Voilà, ça cuit. Puis moi, ces oiseaux là, bizarres là, qui nous attrachent et les qui nous attaquent, les genres d'autruches. Ouais. Bon, on peut les monter. Ah ouais? Ouais. C'est genre de gros dodo en fait, sauvage. C'est toi le gros dodo sauvage. Et. Un dodo. Salut Katana, comment ça va? Bon, on est à la recherche d'un autre dino. Avec trois flèches et une lance. Je vais aller sur les hauteurs là-bas, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Là où la bestiole a pas pu les attaquer. Que la bestiole, elle nous a fait une rage de dino, quoi. Ouais, il va nous falloir des... Ouais, je vais en faire plein. Ah, un Bambi, c'est très bien ça. Et le Rau. C'est quoi ça? Attends. C'est quoi ça? C'est sinon buter les moutons, hein, niveau attends, viande. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Un gigant Topithecus. Ah. Bah, il était quasiment mort du coup. Je l'ai un peu aidé à... Ouais, voilà. À pas souffrir. C'est ça. Mais je m'attendais pas à croiser ce genre de choses. Au début, je pensais que c'était un mec comme moi, mais avec des poils. Bambi! Niveau 150, je vais te laisser tranquille, par contre. Tiens, c'est quoi, ça? Dire un ours? Ah, il y a des bestioles bizarres. Apprivoise-le! Trop tard. J'avais pas assez de narcos, de toute façon. Ça se voit bon, que tu as été à la Japan Expo, tu as pu se voir. Bon, en fait, j'étais déjà malade. Il est trop beau celui-là. Une femelle ours sinistre. Oula. Tu sais ce que vous allez faire? Elle va me bouffer. Elle va me bouffer. Ah oui, l'ours, fais gaffe. Hein. Ce que vous allez faire, occupez-vous de le tame et tout ça. Et je vais fabriquer une forge, un atelier pour commencer à faire du métal. Pour qu'on puisse réparer nos. Elle m'a fait mal. Elle m'a foutu à poil, vite. On s'en va. Dernière chance, barre-toi. Elle va mourir. Bon, il y a le lien si jamais. Oh! Il m'a cassé les os et tout le truc quoi. Je m'en vais! Mange une viande, ça va te soigner. J'ai plus de viande, tu m'en as filé trois. Ah. Du coup, j'arrive là, j'arrive. Heureusement que j'étais avec dernière chance.
Là, je suis un peu en souffrance là. L'ours, c'était pas la bonne idée là. Heureusement que Cui-Cui était avec moi. Ah, ça m'a éjecté en dehors, t'sais. Oh là là, tu sais qu'il a plu vraiment au bon moment. Pourquoi? Là, j'étais en train de mourir de soif et comme je suis lourd, je serais jamais arrivé à l'ouate. Comme je suis lourd. Ah, ouais. J'avoue, c'est pas facile de te supporter tous les jours. Hein. Ah bon? Ok, je retiens. Mais t'inquiète pas, c'est réciproque. Alors. Tu vas faire une armoire. Bon. Oui, il m'a attaqué, ma cuirasse là, il m'a mis un coup de papote dedans, ça m'a tout pété quoi. Du coup, je me retrouve un peu en soutif au campement, tu vois. Ouh, attends, j'arrive. Eh ben non, trop tard. Oh. Habillé. Ensuite, ça c'est quoi? Lance-pierre, l'arc. Ça cuit. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Faut le surveiller, hein, qu'il soit bien conscient. Ouais, je sais pas, attends. Ça va, il est pas trop loin. Il fait bien dodo, il a de la viande, tout va bien. Moi, j'ai de la viande avariée pour les narcos. Ouais, tu vois la porte où faut s'accroupir? Ouais. Près du lit, j'ai mis un mortier, si tu veux mettre dedans. Je vais le mettre dedans. J'aime que tu me dises. Bon, il est où le mortier, là? Il est caché sous mon oiseau à plumes, ça se trouve. À côté du lit. Ah oui, c'est bon, je vois. Accéder. Alors, la viande tout pourrie. Vous allez avoir des narcos aussi, de près. Ouais, je vais aller en chercher, parce que là, je vais plus en avoir assez. On va aller chercher des petites baies. Ouais, je vais faire une forge, un atelier au moins pour qu'on ait de quoi réparer tout. Bon après, qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, pour faire des flèches, il faut quoi? Du silex, des fibres et des broches. Ok, parce que j'ai pas mal de choses sur moi, je vais les mettre dans le... dans la boîte là-bas pour ceux qui veulent le faire. Comme ça, on met tout en commun. Vous avez froid, réchauffez-vous! J'ai vu une grande armoire. Oui, bah je suis sous le tronc et il pleut dedans. J'y peux rien. T'as pas tes fringues? Ah, je t'avais dit de monter la résistance en level up 1. Ah oui, j'ai pas remonté, ouais. Flûte. Voilà, voilà. Je mets tout ce que j'ai en trop, là. J'ai une gourde, mais je sais pas absolument pas comment m'en servir, donc c'est super. Tu vas au bord de l'eau? Au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Ah. Ok, c'est bon, ça va. Donc je vais au bord de l'eau et je fais quoi? Gourdinette. T'appuies sur eux, sur la gourde. Remplis-toi. Ça va te faire boire et ça va la remplir. Ok. Bah, elle se vide au fur et à mesure, hein, donc... Je me doute, mais bon. Si ça peut m'aider à subsister un peu plus longtemps. Bah c'est pour ça en fait qu'il faut que tu montes la résistance, parce que comme ça t'as pas froid ou pas chaud, et elle baisse presque pas. Et mange pas les baies blanches non plus. Je pense que c'est bon. T'as combien de résistance? 10. Je suis à 4. Il n'y a plus les chachas minous? Moi aussi, il y a les chachas minous. Quand vous vous abonnez. Et les chatons vont bien, ils sont dans la cuisine en train de se balader. Tout à l'heure, j'essaierai d'en attraper un pour faire un petit coucou. Là, ils sont partis se coucher. Là. De toute façon, ils ont fait dodo quasiment toute la journée. Après, je suis allée chez le veto avec eux. Et voilà. Là, je les ai lâchés pour qu'ils se baladent et pour qu'ils explorent un peu l'appart. Qu'est-ce qu'il y a, Geoffrey? Attaquer encore, mais c'est parce que tu as la viande tendre. Bah ouais, parce que tu as bon goût, Geoffrey. Il sort d'où ce machin quoi? J'ai une réponse, mais moi aussi, mais ça va pas te plaire. Ah ouais,
Ah ouais. J'ai même plus de flèche, j'ai plus rien, quoi. Ouais, t'es pas le seul. Hein. Passe à la petite porte, Ah, j'ai de casser ma lance en bois, mais j'ai vraiment plus rien, quoi. C'est quoi le truc? C'est quoi comme bête? Non, tu vas me bloquer. Vas-y. C'est une espèce de gros dodo, là. Allez, viens, viens. C'est toi, le gros dodo. C'est Horror Bird. Allez, viens. Allez, viens. Bah alors. Je suis plus malin, mais non. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je te tire par la queue, mais qu'est-ce non. Tu fais non. J'ai pété mon truc. Tu m'as tapé encore. J'ai tout pété là. Bon, cette fois, moi, c'est pété pareil, j'ai plus rien, quoi. J'ai pété ma hache. Là, je suis en train de faire une forge. Pour faire fondre temps, de fer. Là, parce que... J'ai tout cassé. C'est des trucs en fer que t'avais, hein. Qui? Toi. Ou Geoffrey. Moi, je suis en bois et en pierre, moi. Je connais pas le fer, moi. Ah, bah, faut aller farmer, alors. Pendant que je fais la forge. Et comment on farme le fer? Je veux bien, hein, mais. Ah, tu. Ah, bah c'est pas. Ah, bah en fer, je vais le. Ah! En fer, je vais le faire. C'est où qu'on trouve du fer? En cassant des cailloux. Bah, prends une pioche, tu tapes les cailloux pour faire du silex pour les flèches. Ouais. T'auras du fer. Ok. Alors, la petite femelle, c'est la blanche, et les deux autres, ce sont des mâles. Donc là, la petite femelle est partie chez Catali. Donc moi, j'ai les deux garçons à la maison, là, les deux chatons, c'est des gars. Alors, des pierres, du bois. Prodige, tu préfères qui comme héros ou méchant? Comme super-héros, Superman. Ouais. Et comme méchant, j'aime bien le Joker. Voilà. Superman. Non. Bah oui, attends. Et Superman, quoi. Ah, tu préfères qui, toi? En super-héros? Bah, en super-héros, Fais-moi rire. Thor? Ah ouais, ouais, ok. C'est du Marvel, donc ça va. Il a grave la classe, Thor! Ouais, bah oui. Alors... Moi, Marvel, j'aime bien Star-Lord. Les Gardiens de la Galaxie. Donc, je te mets du silex. Je vais déjà réparer ça. Est-ce que les chatons ont plus peur de toi? Ils sont encore, encore timides, mais ça va mieux. Ils me laissent les approcher, je peux leur faire des câlins. Alors, ils montent du bois. Hop. On fait chauffer ça. J'ai mis une forge, hein, si vous avez des morceaux de métaux. Non. Vous les mettez dedans. Et moi, j'ai beau couper tout ce que tu veux, j'ai jamais de métal. Hein. Je sais pas comment tu fais. Bah, j'ai une pioche en fer. T'as fait la rencontre chaton-chien? Bah, moi, mon chien, il les aime bien. Il les regarde, mais alors les chatons, ils aiment pas trop. Hein. Ils connaissent pas le chien, donc. Ils lui ont un peu crié dessus. Allez, j'ai encore cassé ma pioche. Cassé ma pioche. Sinon, je vais prendre un volant, je vais aller chercher du fer. Oui, Emma, je suis déjà allée à Toulouse parce que j'ai habité à Toulouse. Yana. Non, mais je sais où Yana. J'ai habité 5 mois à Toulouse. Je crois qu'on a sur l'arche. Non, pas l'arche, là. Si. À l'ancienne base, on en a aussi. Ouais, mais voilà, j'ai pas envie d'y retourner. Ouais, mais c'est fini. C'est fini l'ancienne base. C'était avant. Dis-la, Geoffrey. Ah, ça y est, j'ai du métal. Deux morceaux sur 40 coups, quoi. Voilà, deux morceaux, ça fait un lingot. Alors. Il nous en faut 5 pour que je fasse l'atelier pour qu'on puisse commencer à réparer. Ouais, je te mets ça dans la boîte, de toute façon. Ah, bah, tu mets dans la forge? Dans la forge, carrément. Elle est où ta forge? Du côté des oiseaux. Mais je vais aller en chercher là du fer. J'arrive. Faire cuire de la viande aussi. Tu es déjà allé à Morlaix? Oui, puisque j'ai habité à Morlaix. j'ai habité quoi, 2 ans à Morlaix? Morlaix? Ouais.
Et leur devise, c'est s'ils te mordent, mords-les. Ah. Ouais. À savoir. Alors, du fer. Hop, c'est bon. Ah, j'ai pu. Pour combien, 5? Ouais, 5 lingots pour faire l'atelier. Bah, c'est bon. Ok, bah, je vais juste aller chercher du fer pour réparer après nos. Ouais, ouais, parce que moi aussi, je vous ai réparé, il va m'en falloir aussi. Et si vous avez pas de hache ou de trucs en fer, on en fera. Ouais. Je vais aller taper du caillou. Il y a un drop vert aussi qui apparaît juste à côté. Il y a un gros cul qui est là. Ouais, j'ai l'impression encore. Qu'il est super. Il va manger le cul, il va manger! Oh ma. Maman! Geoffrey! On met des glaçons. Derrière! Ah, j'arrive! Geoffrey! Ah, il me bloque, je suis dans son cul! Suis dans son cul! Ah! Soignez-vous, soignez-vous! Je suis pas bien! Ah non, t'es morte! Je suis endormie! Geoffrey! Je suis morte! Non, t'es morte! Ah, je suis dur, on va vivre pendant un petit moment de ici. De coincer hein. Mes plus fesses toi, dans les oiseaux. Tu sais, je suis passée à côté, j'ai fait dodo gentil ou méchant? Méchant! Je voulais aller voir le machin en plus. Ah bah là. Il est violent le truc hein. C'est celui-là où on peut leur grimper dessus qui ressemble à des autruches? Ouais. Il est classe le noir. Mais il est un peu violent. Moi je vais attendre pour aller chercher mon corps. Il est appétissant. Quelle est ma princesse Disney préférée? Alors pendant très longtemps, ça a été Blanche-Neige. Parce que j'adorais le dessin animé de Blanche-Neige. La princesse Disney préférée. Bah, je crois que ça va faire un peu kitsch, mais maintenant c'est la Reine des Neiges, hein. Ouais. Frozen, ouais. Elsa. Moi j'aimais bien Rebelle. Ou encore ça? Oui, bah. Je vois qui c'est. Et mon méchant de Disney, Scar. Sans hésiter. Ah ouais, Scar. Scar. Tellement la classe. Tu es Mufasa. Mufasa. Ah ouais, déjà le Roi Lion, c'est mon Disney préféré donc. Ouais. Bon, on se rhabille, on est reparti. Heureusement qu'on récupère. T'imagines si à chaque fois on recommençait tout à zéro? Bah là ça va vite parce qu'on avait déjà les trucs de départ. Mais c'est clair que ce serait un peu le bordel. Bon! Prodige, tu préfères quoi comme jeu vidéo? C'est la FAQ ce soir. MSP. Bah voyons. Non, je sais pas, j'aime bien les Mass Effect. Non! Préféré, Final Fantasy. Sans hésitation. Mon préféré. Après, c'est le 7, mon préféré. Ouais, j'aime bien les films d'horreur, moi. Les films d'horreur? Ouais. Quel est ton film d'horreur préféré? Non. Celui qui m'a vraiment fait peur, même si maintenant ça va, c'est The Ring. Ah ouais. Celui-là, il m'a traumatisé pendant un bon moment. Et ça. Ah ouais, ça. Ça, il m'a traumatisé aussi. Alors, franchement, tout le long du film, ça m'a traumatisé, mais la fin, je l'ai trouvé totalement pourrie. Mais même avec la fin pourrie, je peux te dire qu'après, je pouvais plus prendre ma douche tranquille, quoi. Pendant un long moment, ouais. Je regardais le trou de la douche et j'étais là. Ça, c'est avec le clown? Oui. Ouais, putain, lui, il m'a traumatisé aussi. Ah, j'étais pas sereine, hein. Mon film d'horreur préféré, c'est un très vieux film que très peu d'entre vous connaissent, c'était Stigmata. Ah ouais, non, ça je le connais ça. Pas. Eh ouais. Ça, c'est parce que t'es un Je sais pas si c'est vraiment horreur, mais c'est une femme, elle a les stigmates
tu vois, dans tout ce qui est catholique, tout ça, ouais. Elle a les marques de Jésus, les mains percées, les jambes percées, ah. Le front avec les trucs, et en fait ça apparaît comme ça. Et c'est assez, quand t'es petit, c'est assez traumatisant. Ouais, tu m'étonnes. Après, en soi, j'aime bien tout ce qui est plutôt les paranormal activités, trucs comme ça fait un peu flipper, mais ouais, faut ouais. Y croire quoi. Ouais, c'est ça. Après, les sauts, moi je trouve que ça fait pas peur, c'est plus gore. Mais c'est... Non, c'est gore, ouais. C'est... Mais voilà, c'est pas des films où après tu peux pas dormir quoi. T'as pas peur qu'il y ait un truc qui se balade dans ta maison alors que. C'est ça. Alors que le problème, moi, avec le premier rec que j'ai vu, ou Paranormal Activity, non, c'est Paranormal Activity, je crois, c'est qu'en fait, moi, chez mes parents, il y a une trappe exactement comme là, dans le film. Et ah, je vous jure. Ouais, pour le grenier. Je vous jure que le soir après avoir regardé le film, il y avait des bruits de pas sur mon grenier. Mais vraiment. Mais j'étais, mais en PLS. J'ai pas pu aller aux toilettes, j'arrivais plus parce qu'en plus il fallait que je passe sous cette trappe pour aller aux toilettes ou que je passe sous cette trappe pour descendre et tout. Je sortais pas de ma chambre et tout. Oh, c'était horrible, horrible. J'ai passé une nuit horrible. Et j'aurais entendu les bruits et tout. Je fais, il faut que j'arrive à m'endormir, il faut que j'arrive à m'endormir, il faut que j'arrive à m'endormir. Sinon j'avais vu Rec au cinéma. Mmh. Mais t'es bien rigolo. Enfin, j'avais bien rigolé. Ah ouais, mais après bien... au ciné, je trouve que c'est pas, tu vois. Moi j'aurais moins peur au ciné. Bah par exemple Paranormal Activity, je l'ai vu dans mon lit avec des écouteurs. Et bah c'est pire. Et ouais, c'est assez. C'est... Là tu flippes, tu vois. C'est chaud. Après, ça reste quand même très. Là, tu sais que c'est un film, donc quand même tu sursautes en fait. Voilà. Ouais, sur quelques c'est trucs. Ça. Après, tu psychotes un peu chez toi, mais faut y croire après. Moi, après, j'ai pas peur des animaux. Enfin, j'ai peur d'aucun animal. C'est enfin, je vais avoir peur des animaux qui peuvent potentiellement me tuer ou me blesser. Moi, j'aime pas les araignées. Moi ça me fait rien franchement si je sais qu'elle est inoffensive ou si je sais qu'il y a aucun problème. Tu peux même, enfin voilà, imaginons. Tu vois, tu vas, je sais pas moi, à Fort Boyard, ils te disent oui bah là la tarentule elle a été ci ça ça ça. Ils te la mettent dans la main, je dis ok. Par contre. Ouais mais c'est pas pareil, si je vois une araignée dans mon mur là, ça me oui, stresse mais... Ouais mais il y a ton mur, il y a rien dans mur, c'est pareil. Tu vois la petite araignée ça va et tout, tu vois le gros truc qui commence à se rapprocher de toi et tout, tu vas attends. Elle est venimeuse ou pas? Elle va me piquer, elle va me faire quoi? Elle va pondre où? Vous avez un big lagou, c'est moi. Ouais, je sais pas, je me balade, mais je vais peut-être repartir en arrière dans quelques secondes. Ah, c'est bon. Ok. Bah non, je l'ai toujours, moi. Shining, ouais, Shining. Petit frisson aussi. La phobie des escargots. Pardon. Mais c'est tout mignon, les escargots. Moi, avant, comment dire. Quand j'étais au collège, je me disais, il faut que je sauve un escargot par jour. Et donc quand je voyais des escargots qui étaient mal placés sur la route ou sur des endroits où ils n'allaient pas avoir à manger ou à boire et tout, et ben je les remettais dans un endroit où ils allaient vivre bien. C'était mon petit, tu vois, ma petite mission. Je me disais, aujourd'hui j'ai sauvé un escargot. Et je faisais des cours d'escargots. Et je peignais leurs coquilles avec du vernis pour les reconnaître. Du coup j'avais des escargots de toutes les couleurs et après je faisais des courses avec ma cousine. Et on faisait des paris. T'aimes bien les serpents? Bah je te dirais pas, je vais en avoir un chez moi tu vois. Mais après j'en ai déjà pris plusieurs dans les mains. Et c'est pas des animaux qui me dérangent quoi. Et pour moi c'est pas un animal que tu gardes chez toi et qui vit dans un aquarium quoi. Ça doit vivre dehors et ça doit faire sa life quoi. C'est quoi votre musique préférée? Voilà. Voilà, vu que ça change tous les mois. Ouais, voilà, c'est ça. Tous les mois, j'ai des périodes de chansons, mais j'en ai pas voilà. Une en particulier. Tu l'écoutes plein de fois et puis t'es saoulé. C'est ça. Et après, tu l'écoutes plus. Voilà. Alors, ça. Il en est où l'autre bébé là? Il dort ou? Non, il dort encore. On va falloir faire des narcos. Au niveau de la viande, il est bien? I need a gangster to love me better than all the others do. Merci. Dévovo en mode bûcheronne. Tout à fait. Chaque et Michel. Je suis Dévovo la bûcheronne. Oh. What? Ah, il m'a fait peur lui, il a atterri juste devant nous. C'est... Je me suis dit, va me manger ou pas? Non. Merci beaucoup pour le tips. Bon, dévouez-vous, mode bûcheronne, il faut qu'elle aille chercher un autre arbre d'ailleurs. Bah là, si vous avez de la fibre, on va pouvoir réparer les arbalètes. J'ai une amie qui a peur des fraises. Ah mais ça, j'avais déjà entendu ouais. J'ai entendu des gens, moi, qui ont la phobie des fruits
Et ouais, et qui peuvent pas avoir de fruits à la maison parce que rien que quand ils les regardent, ils trouvent ça immonde, genre un kiwi, tu vois, avec la peau et tout. Ah, le kiwi, c'est une horreur. Mais c'est trop bon, les kiwis. Ah, moi, je suis allergique. Oh, au secours, au secours, au secours, au secours. Tu te fais attaquer, voilà. Y'a un dodo géant qui veut me manger. T'es où? T'es vers où? Tout droit devant le camp, je cours, je cours, je cours, je cours. Ah, il m'a croqué les fesses. Au secours. T'inquiète, on va faire diversion. Vous avez été empoisonné, votre torpeur augmente. Mayday, 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 mayday. Y'a un trodon, y'a un trop. Ah mais y'a tout là. Bah laisse-toi te faire endormir. Je fais dodo mais je vais me faire bouffer par l'autre truc, il me bouffe, ah, il a un gros bec. Je vais endormir moi aussi. Ouais, y'a masse là. Il m'a mangé. Oh, je m'endors. Faut que tu les défonces, hein. C'est normal parce qu'en fait il y a deux types de tips les gens, il y a les tips que vous pouvez me faire directement sur YouTube en dessous et il y a les tips via Twitch et les tips via Twitch ils ont de la musique. Je vais mourir. Je suis mort. Je vais mourir. Bah bouffer. Je suis mort. Mais c'est pas grave, j'étais à côté du camp. Je vais me faire croquer là. Et en plus t'as piqué le lit quoi. Il y en avait deux, non? Non. Ah, il n'y en a qu'un. Ah merde, bah attends, on en refasse un autre. J'aurai besoin d'un petit lit. Et c'était un gros dodo et il était pas très très gentil. J'avoue que là, je vois pas les petits chachaminous. Bizarre. Si, si, j'en ai vu. T'en as vu, toi? Ah. Ouais. D'accord. Oh! Dès qu'il y en a un qui attaque, vous prenez l'oiseau là. Ah oui, Céleste, je suis déjà venue à Lille. On s'en débarrasse. Mon animal préféré, c'est le renard. Bon, attends, du coup, il en est là. J'adore les renards. Ma soeur les a été blancs, là, des traumatisée. Neiges. La reine des neiges, d'accord. Ouais, je te vois bien en cosplay reine des neiges, prodige. Non, le renard des neiges. Pas la reine des neiges. Les renards, ils sont tout blancs. Ah oui, mais moi, ah, je te bon, vois bien en reine des neiges, moi. Non, je suis plus en Anna. Avec je les voudrais petites retrousses. Un bonhomme de neige. Oh oui, viens jouer avec moi. Je suis une fille en manque de compagnie. On ne se voit plus. Tu n'es plus vraiment toi. On était sœurs et amies. Mais c'est fini. Et j'aimerais savoir pourquoi. J'ai plus de voix, je peux plus chanter. Moi non plus, c'est tout cassé. Pense à moi. Ah ok, moi je crois que je sais pourquoi on se fait tuer. C'est le rouge. Oui. Moi, c'est le noir. Enfin, j'aime bien en fait le noir et rouge en même temps, tu vois. Tu la fusion. C'est comme le blouge, tu vois. Voilà. J'aime bien mélanger. Toi, c'est le nouge. Noir et le rouge. De quelle couleur votre voiture? En nouge. Par contre, il faut des narcos. Il est en train de se réveiller. Par contre, faudrait un lit. Il doit y en avoir dans les mortiers. Parce que je peux pas me réveiller. Donc, tu te réveilles. Attends. Réveillez-moi. Attends, c'était quoi la chanson déjà? Attends. Mais si. Réveille-toi. C'était quoi ça? Réveille-toi. J'aimerais pouvoir me réveiller. Okay. Réveille-toi. Non. Tu ne dors pas. C'est sûr, je vais me réveiller. Donnez-moi un lit. J'essaye de te le fabriquer. Du bois, une nuit, juste. Pour elle et moi. Et demain, elle s'en ira. Oh mon dieu. J'ai encore rêvé d'elle. C'est vrai. Elle est pas vraiment belle. Je rêve aussi. Je dormais dans son corps. J'ai un peu froid. Merci pas si je t'aime. J'ai mal dormi. C'est bon, Yali. Ah, Yali. Ah là là. On dirait que tu es saoul. Et ben bah non, ça. C'est juste que. C'est ça l'abus.
Alors. Vous pouvez venir réparer l'arbalète. Et les haches et tout ce qu'il faut. Tout le train. Cassez la foi. Cassez la foi. Ils ont participé à The Voice, ouais. Je vais leur dire bonjour, je suis youtubeuse gaming et j'ai cassé ma voix. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Cassez la voix. Qu'est-ce que c'est la voix? Je voudrais un bonheur de neige. Oui, s'il te plaît, un bonhomme de neige. Pense à moi. Maintenant, regarde, il va plus nous attaquer. J'ai mis la bonne armure. Alors. J'ai pas encore regardé ta connerie, mais vu le rire de Geoffrey, je la sens d'ici. Oh, voilà. Mais tu fais tellement peur. Oh, allez. Tu t'en vas de là, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Viens, on est bien. Immonde. Regarde, tu vois juste dépasser le truc du lit. C'est horrible, moi je me couche pas. Je dors pas là-dedans, moi. C'est mort. Avec un truc pareil. J'ai peur des bananes. Ah. Ah, moi aussi ça m'arrive. J'ai peur des bananes. Du coup, c'est où la forge? Derrière toi. Là où il y a les cartons. Ok. En fait, faut que tu mettes ton équipement à l'intérieur. Tu fasses clic droit, réparer dessus. S'il y a les composants nécessaires. Après, moi j'ai pas ces tenues là donc. Bah non, ça c'est la chitine. Ça c'est des plans que t'as appris. Mais c'est pas grave, les fais pas, surtout pour réparer tes armes, tes pioches, tes trucs comme ça. Ok, bah pour l'instant j'ai rien de cassé donc ça va. Ouais, mais t'as quoi? T'as une pioche en fer? Une hache en fer? Non. Bah hop, regarde, je t'en lance deux. Je les mets dedans et je les upgrade ou... Non, regarde. Hop, t'en as une qui a été fabriquée. Tu peux prendre la pioche. Ok. Et là, t'as la hache. Ok. T'as une arbalète? Elle est cassée. Ok, donc là, l'arbalète, tu la prends, tu la mets dans l'atelier. Et là, je peux mettre réparer. Voilà. Pratique. Et hey, Kelsey, là. Ouais. Je peux t'aider avec tes... Et du fer, s'il faut farmer du fer, il y en a sur, tu sais, la grande arche, là-bas, là. En pierre. Ouais, bah de toute façon, je vais aller en chercher. Il y a des pierres en fer. Viens, la dernière chance. On va chercher du voilà, fer. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais faire une deuxième arbalète. Allez. On va commencer à être bien là. Bon, c'est quand qu'on va chercher le T-Rex là? Il faut des flèches. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Bah, Jonathan! Bah, Jonathan! Bah maintenant je vais faire des flèches, mais faut surveiller le petit là. Ouais, mais faut des narcos là parce que c'est la crise. Ouais, t'inquiète, il y en a 4. Il faut. Bah, on va choper des baies. De toute façon, il nous en faudra aussi pour T-Rex. Hein. Des ballons? I need a gangsta to love me better than all the others. Cadeau des vovos, j'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi, je n'ai okay, rien bah, je vais fait chercher pour des... ça joue mal. Dormi, elle n'est pas vraiment belle, j'ai un peu froid, elle est faite pour... Qu'est-ce qu'il me faut pour faire plein de flèches? Moi, réveille-toi. Oh bah comme ça, je vais t'aider. Réveille-toi. Merci pour le tips. Ça fait toujours peur avec la voix de robot. Je crois que ça l'a dit. Des vovos, tu as des échos. Ça, je suis sûr que c'est la faute à Geoffrey. Moi, voilà. Je n'entends pas l'écho. Je le savais. Mais moi, ça fait pas la première fois qu'on me dit que j'ai des échos, mais... Je sais pas, j'ai pas. Je vois pas comment ça pourrait se faire. Peut-être quand je parle moi, non? Je sais pas. En vrai, quand on entend que tu chantonnes des vovos, je trouve que c'est joli. Ah, c'est gentil, mais regardez, j'ai chanté, il a plus direct. C'est quelqu'un de sourd qui t'a dit ça? Oh. 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 Ça fait mal. Ça fait mal de vivre avec toi. J'ai très hâte que tu te fasses bouffer par un T-Rex. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. De sang en doigt. Quoi? J'ai peur de prodiges. Hé!
T'as de bonnes raisons d'avoir peur, hein. Moi, ce que j'aime pas, c'est les fourmis rouges. Mais ça, une horreur. Tu marches dans un nid. C'est des sales bêtes, ces trucs-là. Ah, bah ouais, carrément. Ça peut te. Il y en a, ils connaissent pas, mais. Il suffit de mettre un peu de miel. Et ça te dévore tout cru. Ah bah là, ça te mange, hein. C'est les mandibules les pires en fait, parce que ça a plein de petites mandibules devant là. Ouais. Ça t'agrippe après, la ça peau. Va. Parce que imagine, t'es dans la forêt comme ça ou dans la jungle, il y a les fourmis rouges, ouais. Et là, il y a un phoque qui s'échoue sur toi. Et là, t'es sur un nid de fourmis rouges. Comment tu fais? Ah là, c'est fini là. Bah, tu as rien fait, tu luttes plus là. Ah bah non, bah là, tu te laisses bouffer quoi. Ouais. Ou tu fais le mort. Ah bah non, tu te fais manger quand même, hein. Ah mince. Tu vas te faire manger tout cru. Ah des on dirait un ange qui chante. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ça tu sens que c'est les vrais abonnés, tu vois. Il pleut et tout, mais c'est pas grave. Pour soigner ta voix, tu pourrais mettre de l'eau chaude et dans une tasse et du miel et du thym. Je pourrais. Et des narcos aussi. Tu peux revenir à la base. Pour que je m'endorme. En quelle raison? En quel honneur? Pour me réveiller. Je vais chercher de la bière. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé des narcos? Bah, non, je me suis encore fait attaquer par un petit machin qui arrivait par derrière. Par contre, là, je suis gelé, là, c'est bizarre. Ouais, attends, je suis habillé, enfin. À peu près. Je peux le savoir. J'avoue, là, on va tu t'es fait attaquer par un Tronodononorus, là? Par. Je sais pas quoi, le truc qui endort, là. Mais il est où? Le truc qui endort, là. Devant, là, juste devant la base. Ok, fais gaffe, Dévo, je le vois. Et j'ai l'impression qu'il me tourne autour, j'entends un bruit bizarre. Ah, moi aussi j'entends un bruit bizarre. Je t'ai endormi un peu plus. Bah, moi je suis en train de chercher des baies là. Ouais, mais il va m'endormir ce matin. C'est bon, je l'ai endormi. Je sens une berceuse. On va le tame aussi, comme ça il endormira les dinos. Oh, c'est quoi ça? Avoir soif, hein. Aïe. C'est pour moi. T'es où? Ah, je peux pas. Je cours. Je vais essayer de rentrer à la base avant qu'il mange. Rebelote. Ouais, c'est la même. Prends il m'a endormi. Je suis en train de ramper, je vois quasiment rien. Je suis devant la porte. Oh, purée. Génial. Je vois vite fait quand il y a de l'orage, mais c'est tout. Je vais m'endormir hein, dans pas longtemps. T'as une belle voix, mais quand t'as pas la voix cassée. Bon, je me suis endormi, bien vite me réveiller. Il va revenir, hein. Je lui ai mis plein de flèches tranquillisantes. Ça va, hein. Ça va 2 minutes là. T'es où, produit? Ben, je crois qu'on m'a fait manger des dés. Bon. C'est des beaux. Ouais. Vous allez rentrer là parce que. Ben, toujours garder des baies blanches, hein. Non, pas trop. Oh, ça va, il pleut. Donc c'est pas grave. Tu l'as tué ou pas? Non, j'ai pas vu, il est parti. Ok, bah faut aller le récupérer. Par contre, l'autre, on l'a pas tué et je peux pas le tame. On va être un peu juste là, il va falloir leur mettre des narcos aussi. Parti en chercher, mais j'arrive pas à en avoir. Pourquoi c'est difficile et inconscient? Ouais, mais je crois que tu peux pas le tame en fait. Pourquoi? Bah je sais pas. Faut peut-être une manière de le tame. Oui, il est où? Tu l'as trouvé? Ouais, je suis. Parce que j'ai mis plein de flèches, hein. Bah bute-le, hein, c'est pas chiant. Allez, on fait une petite cueillette. Prendre des petites narcos, là. Je pense qu'ils allaient avoir une manière de le tame. Ah, mais l'endroit hostile ici, entre les ours et tout, là. Ouais, ça fera de la viande. Tu peux pas trop t'éloigner de ton campement, sinon tu mourrais très très vite, hein. Chante comme ça, ça va s'arrêter de pleuvoir. Ben regardez, vous voyez, j'ai arrêté de chanter. Regarde, hop, voilà. Plus. Magie. C'est pas grave. C'est bientôt, là, Jurassic Craft. C'est juste qu'on a eu des petits contretemps et tu vois, moi, je suis malade et j'ai pas envie de commencer Jurassic Craft comme c'est des vidéos avec la voix totalement pétée. Mais ouais. Soit ce week-end, soit la semaine prochaine, il y a les premiers épisodes qui vont sortir, mais j'ai trop hâte. J'ai déjà l'histoire, j'ai tout, il faut juste que ça sorte. Si c'était que ça. Et il y aura aussi une story avec Ark. Donc vous allez avoir bientôt surprise. Des vidéos avec deux stories, c'est surprise, mais ça va venir. Surprise, motherfucker.
Surprise! Pour le mois d'août, il va y avoir plein de nouvelles choses, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Il en est où l'autre? Bah, j'ai mis quelques... deux narcos, mais il faut vraiment que je parle de narcos. Rajouter deux, moi. Je vais lui remettre. Bah, je lui ai fait bouffer. Pour ça, j'ai remis des narcos à fabriquer, mais. Faut des narcos berry. Attends, je vais remettre, j'en ai deux sur moi. J'en ai mis aussi, j'en ai quelques-unes. Fais dodo, dino, mon petit frère. Je meurs de faim. Bienvenue, Nora. Bah, mange. Merci, Enjoy, c'est gentil. Ma phobie, c'est les araignées. Mon animal préféré, c'est le serpent. Voilà. On est fait pour s'entendre, Enjoy. Bienvenue dans la team prodige serpent. Ah ouais. Après, j'en voudrais pas, tu vois, chez moi. J'aime bien, mais... trop d'entretien. Ah bah, c'est du taf, hein. Puis donner des souris vivantes. Ah ouais, ouais. C'est un peu lourd. Même si c'est magnifique à regarder, mais... Ah non. Si, bébé souris, là. Non. Elle s'arrête. Ah non, c'est horrible. Ouais, c'est la nature, hein. Ouais. C'est la nature, non. Dans la nature, maman souris, elle prend bébé souris, elle les met dans, au fin fond de son petit trou et... Dans la nature, le serpent, il vient, il va dans le truc qui est maman souris, bébé souris, papa souris, cousin souris, tonton souris, ils y passent tout ça. Et ben, bah, ils mangent pas tout le monde et ils sont pas... Ils peuvent s'enfuir, tu vois. Ils ont une chance. Là, ah tu les mets dans l'aquarium, zéro chance, hein. Et le serpent, il fait la taille du terrier en épaisseur. Plus de sortie. Non, moi je pense que je reprendrai un furet. Un petit fifou. Ouais, ils vont bien, les chatons. Ils sont toujours dans la cuisine, mais là, je sais pas si je vais pouvoir en attraper un. On y restera tout à l'heure, j'essaierai de vous les montrer, mais... Ils sont restés cachés, là. Mais les gens, ils disent que j'ai un écho, mais je sais pas comment ça se fait. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est quand je parle, alors, peut-être? Je sais pas. Arrête de parler, quoi. Ah, d'accord. Ok. 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 T'as dit pour souffrir ici, ok. Ah, des fourmis! Je me fais attaquer par des fourmis araignées! Ah, au secours! Bah tiens, le karma! T'es vers où? Sur la plage, elles sont 3. 2. Ok, faut les tuer, hein, parce qu'elles donnent de la chitine. Oh putain, il y a un gros moustique! Oh! J'arrive, j'arrive. Il m'a empoisonné! Super facilement, hein. Cours, cours, cours! Ah! Il me vole dessus, il va me piquer! Ah, il y a les fourmis, les araignées sur la plage, putain! Mais t'es loin sur la plage? Après, je me rapproche du camp, mais je suis fatiguée! J'ai mal! Je te trouve pas? Mais sur la plage, mais il va me bouffer! Mais je suis sur la plage! Il va me bouffer! Je suis derrière un grand bâtiment prodigieux! Je te vois, j'arrive! Au secours! Il est côté? Sur la plage en bas! Mais cours, cours! C'est bon. Tu es l'ouvrière. Ah, ils arrivent! J'aime pas ces trucs là là. Mais faut les tuer, hein, te donne de la... Ouais, de la chitine. Eh ben je vais pas bien, d'accord. Là. Non, je vais mieux. Empoisonné là, ça donne faim. Et c'est maintenant que t'arrives, Geoffrey. Ah ouais, lui il est juste pour ramasser. Bah, en même temps, on me dit sur la plage, j'ai fait le tour toute la plage quoi. Prodige, tu seras gentil de mettre un caleçon. Mais c'est qu'il fait chaud quand même un peu. Faut pas. Et ben on couvre son boule même quand il fait chaud. Ça changera pas la température. Geoffrey, redescends-moi, me mets pas au-dessus de la tête de Devo. Elle a assez vu d'horreur pour la journée. C'est clair. Mais bon, par allez, là. Je vais mettre un pantalon. Ah moi non plus j'ai plus de pantalon. Ah bah bravo, oh, on monte sa culotte et après on dit... Du coup elle a éteint la lumière. Est-ce que t'as des poils, Geoffrey? Attends, je sors ma lance. J'en ai 40. Tiens, j'en ai 6. Combien? Il me faut un peu de peau là parce que... J'ai plus de pantalon. Je t'en ai posé devant. Hop, moi j'étais bien tout nu, j'étais en symbiose avec la nature. Bien sûr. C'est bon, c'est en cours. J'entends un dinosaure courir. Ok, des compis. On est attaqué par les dinosaures de Jurassic Park qui ont tué les enfants là. Ils ont tué les enfants.
Allez hop, ça c'est fait. Alors, fais-moi les malins, hein. Enfin, de guignolo. Moi, je fais la lumière, moi. Alors, ouais, bah du coup, faudra aller voir le dino quand même, qu'on a tame, qu'on est en train de tame. Ouais, bah moi, je suis en train de chercher un peu de baie, là, c'est pour ça que j'étais venu dans ce coin, avant de me faire attaquer sauvagement. On puisse tame le dino un jour. Je fais caca dans les buissons. J'avoue que c'est un peu long, là. Bah... Je crois que j'ai vu, il faut 2 heures. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. 2 heures. Ah oui, bah on bah pour time, après, par contre, une fois qu'il est endormi, ouais... Bah déjà, endormir, je trouve que ça a été relativement long. Non. On s'est mis à 6. À 6. En 2 jours. À 6. À 6. Tu sais ce que c'est l'écho des Vovo? Oui, bah oui, je sais ce que c'est un écho. Écho. Quand t'es l'écologie, tout ça. Ouais. L'économie, l'écologie. C'est ça. L'école buissonnière, tout ça. L'échographie. Ah, ouais. Non. Ouais, les codes puissants, ok, pas mal. Il est où le T-Rex? Bah le truc c'est que là on est censé aller le chercher, sauf que ça fait un peu une heure qu'on prépare le départ pour aller chercher bah, le T-Rex. Bah les flèches et tout, en attendant on donne nos narcos à l'autre teubé de putois là. Bah c'est ça, si vous aviez pas attrapé le putois aussi on en serait pas là. Ouais mais quoi. Il est aussi important que le T-Rex hein. Si t'as vu comment il est résistant, il fait mal. D'accord. Mais moi j'aimerais un T-Rex. Maman elle a dit que je peux. À mon avis, on va rencontrer 8000 dinosaures sauvages avant de trouver un T-Rex. Et bah peut-être pas. Parce que la dernière fois, on se baladait comme peut-être. Ça tranquille, et là d'un coup un T-Rex il a fait papam, 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 papam. Et la prodigie fait oh, il est albinos. Et là, piou, 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 piou. Et là il a fait dodo. Et après, il y a une fille, elle est arrivée et elle lui a mis un coup de pied dans la queue, elle est morte. Piou, et elle a tué, ouais. Et du coup, on n'a pas eu de T-Rex. Voilà. Sinon, là, on serait en train de se balader avec un T-Rex albinos. Ouais, ça aurait été grave la classe. Mais bon, c'est la vie, hein. Ouais, c'était super la Japan Expo, moi j'ai adoré. J'ai rencontré plein d'abonnés, c'était trop trop cool. J'ai pas de narco quoi. Il fait encore dodo, mais bon. 38% quoi. Ouais, c'est long. Hein. C'est légèrement long. J'ai regardé. En plus, il fait nuit. Sur dodo Dex. J'ai pas mes chaussures. Et alors, combien de temps Dodex 2 heures. Bah, c'est l'appli de. T'as tous les dinos, comment tu les captures. Ouais. Avec les niveaux et c'est 2 heures pour lui. Avec. Juste avec de la viande, faut 2h26. Au niveau qu'il est là. Ah. Et pourquoi après c'est quoi comme qu'il faut? Mais c'est pas que de la viande, c'est de la viande supérieure, c'est ça? Des kibbles mouchous ou alors des rats aux moutons. Ah ça on peut en avoir. Ah les rats aux moutons on peut en avoir, hein. Il y en a ici des moutons à côté, non? On a moyen de se choper des petits moutons là. Je sais pas si ça se drop. Je vais voir ça. Parce que la dernière fois que j'ai tué un mouton, j'en ai pas eu, hein, je crois. Après c'est peut-être pas sur tous les moutons, tu vois. Non, tu sais, c'est peut-être comme les viandes supérieures. Il faut trouver le chef des moutons. Pas à 100%. Non, le je pense roi que c'est pas 100%. Des moutons. C'est quoi ce pas? C'est le roi des ours. De poisson, quoi. Ah bah le poisson, t'en as dans l'eau. Pareil en prime. Ah bah ça c'est les, tu sais les trucs ou les baleines quoi. Les baleines, c'est quand tu tires 500 flèches. Bah oui bien sûr. Le jeu s'appelle Arc. Tu tues un mouton là. Et bah Katali il est au travail parce qu'il rentrait chez lui, il avait pris son week-end et là il travaille dans un restaurant. Donc du coup il finit tard le soir. Le temps de tout ranger, tout ça, tout ça. Donc du coup il peut pas venir sur Arc avec nous pour l'instant. Bon bah écoute, on est pas mal là. Je vais éviter de trop m'éloigner. Bizarre, bon, en tout cas, temps, demain, donné, on aura un petit putois demain à la maison. Mais on n'aura pas de T-Rex ce soir. Il va falloir être patient. C'était mission
Mission éliminer la bestiole qui. Bah, de toute façon, on a le temps de tout préparer parce que même si on avait trouvé un T-Rex, là, pour le tame. Ouais, pour le tame. Bah, encore que. Hein, si est à côté, bah, s'il est à côté, oui. Ouais. Mais ah, comme faut se déplacer. Mais sinon, franchement, c'est relativement facile hein, parce que la dernière fois, oui, on a endormi en et... quelques flèches. Hein. Non, mais. Voilà, par contre, nos barrières en bois, elles tiendront pas longtemps hein, avec un T-Rex. Ah ouais. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Je cherche des moutons. Va falloir aller se rechercher un peu de. Un mouton! Je vais aller en face pour mettre tout dans l'inventaire. Là, tu te dis qu'il manque le brontosaur. Bah, c'est vrai. J'avoue qu'Atali ramène des pizzas, quoi. Ah, on peut attraper un diplo, hein. Ouais. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, je range tout ça ici. Il va falloir d'autres caisses, je pense. Et voilà. Ah bon, je me fais attaquer par un ours. Ok, il veut jouer comme ça. Bah tiens, vas-y. Je crois que quoi, j'ai un egg surpuissant, là. Voili, voilou. Bon, les petits chatons, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Donc je vais couper le live pour ce soir. On aura déjà bien avancé, vous aurez pu voir un petit peu où on s'est installé. C'est vrai que c'était pas évident, on est mort pas mal de fois. La prochaine fois, du coup, ce sera vraiment là, il faut trouver le T-Rex. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais aller manger un petit morceau et il est fort possible que je revienne juste après. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à toutes ou à demain. Ciao, ciao.